En fait, j'ai fait une vidéo sur la tournée. J'ai demandé aux gens de me suggérer des thèmes pour chaque ville où je vais. Et j'ai eu des suggestions de thèmes pour Lyon. Et donc, on m'a parlé de Lyon. Ouais, j'étais très content. Donc, j'ai dit, ah, je vais jouer à Lyon et tout. Et souvent, ceux qui connaissent Lyon, ils disent, ah, faut absolument que tu ailles dans les bouchons lyonnais. J'ai dit, j'en ai déjà assez à Paris, des bouchons. Mais non, non, c'est là où ils mangent. Quoi ? Ils mangent les bouchons, ils sont bizarres quand même. Moi j'écoute la radio dans les bouchons où je crache sur des gens, mais je mange pas dans les bouchons. Et après on m'a expliqué, non, c'est là où il y a les spécialités lyonnaises, tout ça, les quenelles. Ah, ça vous a fiché un coup là quand même la polémique quenelle, non? Je suis sûr qu'il y a des serveurs qui devaient faire, eh, bon, au plat du jour c'est des quenelles, mais normal, hein, des quenelles, on est Charlie tout ça. Hein, Et bon, j'étais content de venir à Lyon, Lyon capitale de la gastronomie. À défaut d'être la vraie capitale. Ouais, ah oui, là je suis désolé pour vous. Normalement vous devriez être la vraie capitale. Vous êtes passé vraiment très proche d'être des Parisiens. Et vous ratez quelque chose. Hein. Là vous êtes obligé d'être aimable, tout ça. La flemme quoi. Enfin... Donc capitale de la gastronomie, c'est vrai qu'on mange bien à Lyon. C'est vrai qu'il y a Paul Bocuse aussi. Paul Bocuse, ouais. Respect à Paul Bocuse quand même. Ouais. Paul Bocuse, hein. C'est un peu le Johnny de la gastronomie, Paul Bocuse. Hein. Lui aussi, il a eu plusieurs femmes en plus, mais en même temps. Petit côté Qatari à Paul Bocuse. Il a eu 3 femmes en même temps, le gars. Comment tu fais? Comment tu fais? Déjà, une femme, c'est dur. 2, c'est compliqué. 3, comment il fait pour les gérer? Il a dû dire, tu sais, il a dû dire à chaque femme, bah, écoute, il y a 2 autres femmes dans ma vie. Elle a dû dire, ah, je te quitte. Ok, bah, moi je vais manger. Ah ouais, tu manges quoi? Eh ben, c'est quoi, je te quitte, mais après le repas. Et du coup, elles sont restées, parce qu'à chaque fois, ils faisaient bien manger. C'est une belle leçon, quand même, Paul Bocuse. Les hommes, si vous voulez garder vos femmes, cuisinez. J'ai eu aussi un commentaire sur la boule lyonnaise. La boule lyonnaise. Vous connaissez la boule lyonnaise, quand même, non? Ouais. Ouais. Attends, la boule lyonnaise, ouais. Donc j'ai demandé à un Lyonnais de m'expliquer, il m'a dit, en fait, t'as une petite boule, comme ça, qui s'appelle le but. Tu le lances, et après t'as des plus grosses boules, lourdes, et que tu dois rapprocher du but. Je lui ai dit, mais c'est la pétanque, il a dit, rien à voir. Rien à voir. Non. À la pétanque, c'est un cochonnet. Donc t'as l'impression qu'à chaque fois que tu vas dans une région en France, chacun a son sport pour être sûr d'être le plus fort. Tu vois, tu fais des variantes, comme ça t'es le seul à pratiquer, tu vois, t'es sûr d'être le meilleur. Et en fait, il y a cette question aussi, est-ce que les jeux de boules, c'est un sport? Est-ce qu'on peut considérer comme sport une activité que tu peux faire avec un ballon de rosé à la main? Ouais. Même si le gars dit, ah, c'est pour m'équilibrer, tu vois, non. Non, il y a un moment, faut arrêter, tu vois. Donc les Lyonnais, vous avez été malins. Vous avez créé différentes épreuves dans la boule lyonnaise. Et il y a une épreuve notamment qui consiste à en fait, il y a une boule qui est posée. Toi, tu prends ta boule, tu dois la dégommer et tu cours. Et tu arrives au bout, tu reprends une boule, tu redégommes et tu recours. Comme ça, pendant 5 minutes, le mec court. Comme là. Tu vois, quand tu lances une balle à un chien pour qu'il te la ramène, et ben pareil, mais sans le chien. Je me demande si le gars, il s'ambiance tout seul. Il fait, elle est où la boule? 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 Peut-être qu'il doit se feinter lui-même, il va. Et le pire, c'est que j'ai vu ça, et c'est dur! C'est dur! T'sais, à la pétanque, quand tu joues, tu arrives à toucher une boule, t'es content, n'importe laquelle. Tu vois. Eux, ils en ont une seule, bah, ils la touchent, et en 5 minutes, ils le font 40 fois, et ils courent en même temps, et à la fin des 5 minutes, ils sont claqués, ils sont en sueur. Tout ça pour qu'il y ait un touriste qui arrive, tu sais, ah, bah, c'est comme la pétanque en fait. Bon bah ce matin, je lance TGV, retour de Lyon, voilà. Je serais bien resté un peu plus, je vous avoue, mais bon, le bon côté, c'est que je joue ce soir sur Paris. Alors par contre, les Lyonnais, merci pour votre accueil. Merci pour votre accueil. Vous avez mis la barre très haut, très très haut. Merci aussi pour vos thèmes. Les autres villes, continuez à mettre vos thèmes en commentaire. Hein, sur votre ville, bien sûr. Hein, des thèmes sur la région, tout ça. Parce que c'est important pour moi. Comme ça, quand je viens, on va bien rigoler.